monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale parce que c'est une vidéo tag, je sais plus comment on prononce cette vidéo, je crois que c'est le no cut tag, enfin de toute façon c'est écrit dans le titre, voilà. J'ai été taguée par Pauline, je vous mets sa chaîne juste en dessous parce que j'ai du mal à la prononcer à chaque fois, je sais pas si on dit Pauline 3-0, Pauline-O-O-O, enfin je sais plus trop. Bref, j'ai été taguée bien avant de partir en vacances, mais j'ai été pris de très court, donc je n'ai pas pu la faire. Donc en gros, cette vidéo va être un peu compliquée pour moi parce que c'est une vidéo sans montage. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Je suis sur un blog, hein, j'ai marqué no cut tag et ça m'a mis plein de questions, il y en a 20, voilà. Donc bah, on va commencer maintenant. Je viens de me prendre un reflet de lumière là, en plus ça se voit sur la caméra. Alors pourquoi cette vidéo va être difficile pour moi? Parce que j'ai pas l'habitude de... Enfin moi c'est bête, je suis naturelle, mais je sais quand couper mes vidéos, quelles phrases dire, etc. Et quand ça fait longtemps qu'on fait des vidéos, c'est difficile de faire une vidéo comme ça, sans coupure quoi. Enfin, de toute façon si je me trompe, vous allez bien le voir. Pardon. Donc ça d'habitude, je le coupe parce que je le fais souvent. Là ça va être un peu compliqué. Alors c'est parti, question 1. Ton logiciel de montage. Alors ça dépend, j'en ai... plusieurs, en fait j'utilise jamais les mêmes, donc voilà. Question 2, comment tu t'appelles? Je m'appelle Andrea, vous êtes très nombreuses à me demander pourquoi, je comprends pas d'ailleurs puisque je l'ai dit tout au début de ma chaîne et c'est écrit dans mon à propos, donc oui je m'appelle Andrea. Quel âge as-tu? J'ai 20 ans, voilà, tout simplement. Question 4, ton youtubeur préféré? Mon youtubeur préféré, je pense que c'est youtubeur ou youtubeuse. Alors j'ai pas de youtubeur ou youtubeuse préféré, par contre j'ai des petites préférences pour certaines chaînes, on va dire ça comme ça, il y a des chaînes auxquelles j'accroche beaucoup. Par exemple la chaîne de Noémie et Tanguy, j'adore leur chaîne de vlog, c'est un truc de malade, j'aime beaucoup. Je regarde moins ses face caméra, mais je regarde beaucoup ses vlogs parce que ils sont trop comme moi, ils sont vraiment naturels, ils vloguent tout, n'importe quoi, ils me font trop délirer. Donc voilà, c'est vraiment pas mes youtubeurs préférés, mais ceux que je suis le plus. Après en face caméra, il y a Sana, enfin Sananas du coup, que je suis aussi beaucoup, enfin beaucoup. Dès qu'elle sort une vidéo, j'essaie de la regarder. Après, j'ai pas spécialement de youtubeurs préférés. Soyons clairs. Ensuite, question 5, dans quelle région habites-tu? Ça devient très intime ce questionnaire, j'habite en Haute-Normandie, voilà, chez les vaches. Oui. Sixième question, quel pouvoir aimerais-tu avoir? Les pouvoirs que j'aimerais avoir. J'ai jamais pensé. Ah si, je crois quand j'étais petite, je voulais faire quoi? Je voulais être invisible. Enfin, un style rentrer dans les pensées des autres. Je pense que tout le monde veut faire ça. Enfin, je sais pas, moi c'était trop mon truc. J'ai jamais repensé, donc on va dire ça. Hein. Voilà. Ensuite, septième question, tes origines. Donc je suis portugaise et brésilienne. Enfin, française hein, de nationalité. Voilà. Huitième question, ton jeu vidéo préféré. Bah, ça sent bien, je ne joue pas aux jeux vidéo. Par contre, sur mon téléphone, je joue à Homescape. Homescape, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Avant c'était Garden Square. Et donc ça je joue tout le temps avec ma mère et Kevin. Enfin, c'est un petit peu nous du jeu, on va les dire. Voilà. As-tu un animal de compagnie? Non, pas du tout. Dixième question, ton acteur préféré? Je suis déjà tellement émue avant de répondre. C'est Will Smith. J'adore cet acteur. J'adore. J'adore toute sa famille. J'adore, ils sont tellement... pas parfait parce qu'on n'est pas parfait et en fait on sait pas leur vie personnelle, mais ils savent tout faire, ils jouent dans des films, ils chantent, ils font des pubs, ils dansent, ils rappent, ils sont mannequins, enfin ces gens là font tout de génération en génération, que ce soit la grand-mère, la mère, le père, les fils, la fille, tout le monde fait quelque chose, génial, j'adore les gens qui ont l'ambition, c'est vraiment mes acteurs préférés, c'est la famille Smith, voilà. Ensuite, ta série préférée, c'est Two Broke Girls. Et sinon, parfois, je regarde The Big Bang Theory, mais pas tout le temps. Mais bon, c'est un peu mes séries préférées, voilà. Mon film préféré, alors je vous aurais bien dit le Titanic, parce que c'est vraiment genre The Film qui n'aime pas. Donc ça, c'est vraiment le top 1, vraiment personne pourra le détrôner, je pense. Après, il y avait un autre film que j'aimais bien.
Je pourrais plus vous dire, c'était un film que j'étais voir au cinéma il y a peut-être 3 ou 4 ans de ça. Je sais plus c'était quoi, un film avec des tsunamis et tout, enfin en fait c'est simple, tout ce qui touche à la vie réelle et tout ce qui touche, si je sais que c'est un film tiré d'une histoire vraie, vous m'avez complètement perdu. J'adore ces films, j'adore les films de guerre, pas de guerre maintenant, de guerre à l'ancienne, genre à l'époque et tout, enfin j'adore les films comme ça, voilà, ça c'est vraiment mes films préférés. Ne parlons même pas des films de Noël, voyons, ça c'est autre chose. Pardon, voilà. On doit tout montrer, hein. Voilà. Alors, j'en étais au tapir honte. Bah ça, ce que je suis en train de faire, voilà. Renifler comme ça, je le fais tout le temps. Oh là là. C'est un tic, c'est ouf. Bon, bref, voilà, donc ça. Ma pire honte, vraiment, vraiment... Ouais, j'en ai pas forcément, parce que moi j'ai pas honte de ce que je fais, hein, même si c'est des conneries. Voilà, d'habitude je rappelle ici au mot. Hein. J'ai pas honte, non, j'ai honte de rien. Kater, ouais. Ta saison préférée? L'été. La base. En fait, l'été pour le soleil, mais j'aime bien aussi l'hiver, mais pas pour le temps. L'hiver parce que ça sent, vous sentez l'odeur de l'hiver dehors, moi j'arrive à la sentir, j'adore cette odeur, ça sent Noël, ça sent tout ce qui touche aux fêtes en fait, et j'adore les fêtes de famille, donc voilà, l'été, l'hiver, on va dire. Le youtubeur que tu détestes, bah j'en ai pas, puisqu'un youtubeur, c'est un youtubeur, et en tant que youtubeur, je pense que si on n'a pas d'histoire personnelle avec un autre youtubeur, on ne peut pas le détester, étant donné que ben on sait la difficulté que c'est d'être youtubeur, des critiques et tout ça, du travail et tout ça. Donc j'ai pas de youtubeur que je déteste, voilà. Ni que j'admire moins que l'autre, hein. J'admire autant un youtubeur que l'autre. Hein. Là-dessus, enfin je pense, non j'en ai. Ton meilleur ami? Je n'ai pas de meilleur ami. Je déteste ce mot-là. Qui a créé le mot meilleur ami? Genre t'es une bande de 4 copines, tu dois choisir ta meilleure amie, enfin ça se fait trop pas, enfin faut arrêter 5 minutes. Donc non, je n'ai pas de meilleure amie, j'ai des très bons amis, en fille et en garçon, mais j'ai pas de meilleure amie. Voilà. 17, la marque de ton téléphone. C'est un iPhone 6S avec la pomme, mais oui je sais, j'ai une coque un peu pourrie, mais je l'ai acheté au Portugal et au moins ça me protège correctement mon écran. Voilà, tout simplement. J'espère, au moins, je vais vous mettre une petite musique derrière, parce que là, déjà, moi aussi, je m'ennuie. 18, la personne que tu détestes. Le nom, j'ai pas de personne que je déteste. Peut-être quand j'étais petite, mais là, franchement, j'ai pas de personne que je déteste, pas du tout. Donc, j'ai pas de nom. Et puis, c'est bizarre, un peu, comme tac. 19, le nom de ton premier animal de compagnie. Alors là. Et ta date de naissance. Il y a ma sœur qui m'appelle. Bah écoute Julie, je ne peux pas te répondre. Je te répondrai plus tard. Tout simplement. Je suis née le 24/07/1997. Voilà, je suis... Oh, là. Donc voilà les filles, j'espère que ce petit tag vous a plu. En tout cas, moi ça fait très longtemps que j'avais envie de vous le faire, mais que je n'avais pas le temps du tout. Hein. Cette prise à la base, je l'aurais refaite parce que... Ça m'énerve quand je suis trop lente, j'aime pas les gens lents, tout simplement. Bref, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à aller faire un petit tour sur la chaîne de Pauline que je vous mets en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt.